Salut à tous, avec le Gauthier Galago Musique. Ce tuto fait suite à la dernière vidéo que j'ai postée. J'y jouais 10 intros de rock français et je vous avais donné la possibilité de voter pour choisir quel serait le prochain tuto. Vous vous êtes massivement exprimé sur le titre antisocial de Trust et c'est donc un plaisir pour moi de vous l'expliquer aujourd'hui. Alors avant de commencer les explications, petite historique là quand même. Alors cette chanson est parue en 1980 sur le deuxième album du groupe qui s'appelle Répression. Alors à cette époque on est encore sous Giscard et l'ambiance sociale était pas vraiment au top. Mais c'est un peu la fin des Trente Glorieuses, la fête est finie. Et donc ce tube est plus qu'une chanson, c'est carrément devenu un phénomène de société, c'est l'hymne d'une génération désenchantée. Vaux est la principale poche de misère dans la région. La moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et 70% des jeunes sont au chômage. Et il se trouve qu'en 2019, on est carrément dans la même actualité. Donc je vous remercie tous d'avoir judicieusement voté, maintenant j'arrête de parler, je me rapproche et je vous montre comment ça se joue. Pour pas que cette vidéo ne dure des plombes, je ne vais pas vous expliquer ni le solo ni l'outro, mais avec tout ce qu'on va voir, vous pourrez couvrir quand même au moins 80% de la pièce. Bon allez, on commence par l'intro. Dans cette partie-là, ce qui est très cool, c'est qu'on a que deux accords. On va trouver un Do à 9, et on va trouver un Sol majeur. Voilà, c'est tout. Dans la toute première mesure de cette intro, donc on va l'appeler partie A, on va faire 1, 2, 3 et 4, et voilà, bravo. Donc faites une blanche. Suivi de Mi, Si, Sol, Ré. Voilà. Soit en couvert le bas, soit en retour. Comme vous voulez, hein, c'est pas très important. À la mesure 2, on se dirige vers un Sol majeur. Et là, rythmiquement, ça change un tout petit chouille, puisqu'au lieu d'avoir une blanche, on a une noire pointée au début, ce qui va donner 1, 2, et 3, et 4, et. Voilà. Et ce principe-là, avec la noire pointée, et ben on va le placer sur les 3 mesures qui viennent. Donc je vous refais d'un coup les 5 premières mesures de cette intro. 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. On retrouve Sol à nouveau. 3 et 4. Encore 2 à 9. Et un Sol majeur contient 4 temps. Large temps, hein. Et à ce moment-là, c'est la basse et la batterie qui commencent à venir. Et la tension qui monte. À la main gauche, on va retrouver à nouveau les deux mêmes accords, Do à 9. Et Sol, c'est juste que le rythme change, c'est encore plus facile en fait, puisqu'on va faire juste 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Et on refait pareil, 2 à 9, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et 4. Et enfin, c'est là qu'il y a le gros riff de folie qu'on adore. Alors, avant de passer sur cette partie B, là, qu'on va appeler riff principal, par exemple, je vous refais toute l'intro, toute la partie A, avec un métronome. Donc là, je vous mets au tempo original, on sera à 86 à la noire. Et quand on passera sur le riff principal, on va doubler. On sera à 172 à la noire. Ouais. Allez, je fais défiler les partitions, et c'est parti. Et nous voici dans le cœur du sujet, avec cette fameuse rythmique de folie. Alors, que se passe-t-il dans le détail? Alors, cette partie B, ou riff principal, est composée de 16 mesures, à la fin desquelles on passera sur le couplet avec le chant qui commence et tout ça. Alors déjà, les 8 premières mesures de ce riff principal. Dans tout ce morceau, il va falloir bien gérer à la main droite le fait que l'hypoténar se pose ici sur le chevalet pour avoir un son muté, du palm muting, et il y aura des passages où ce sera pas muté. Voilà, ça c'est une technique assez chère d'ailleurs au métal, au hard rock et tout ça. Quand on n'est pas habitué, c'est pas forcément évident. Vous trouvez bien votre position, de manière à avoir un petit son un peu taquin comme ça, et... vous êtes là, mais c'est pas bon là. Vous poussez la main jusqu'à ce que ça arrête de faire l'avion. Et que ça vous donne un son avec quand même une hauteur spécifique. Donc à la main gauche, on va se placer sur un Ré power chord, donc index en 2 du Sol, annulaire en 3 de la corde de Si. Et les deux premières mesures vont donner... Ouais. Encore une petite fois, 3,
Dès que ça c'est fait, on va placer en 3-3 à la main gauche sur les mêmes cordes. Et on fait quasiment pareil. Par contre, à la quatrième mesure, ça change. Donc mesure 3 et 4. Ouais, alors à la fin de la quatrième mesure, il se passe un truc rigolo. Je vais taper le 3-3, je suis toujours muté. Je vais faire un pull-off, pardon, 0-0, et, ouais. Et ensuite, je vais encore le coup. Ouais, donc c'est 6-6 à vide, là, en fin de mesure, moi j'appelle ça des hops. C'est en fait des petits moments de confort où la main gauche a le temps de se déplacer tranquillos pour se diriger vers l'accord qui suit. Et en plus, ça rajoute des petites notes entre les accords réels. On appelle des ghost notes, des notes fantômes, bref. Arrête de parler, mec, et joue. Bon, d'accord. Je vous rejoue ces 4 premières mesures avec affichage de la partition. Tempo à 90, on n'est pas des bêtes. 2, 3, 4. Ouais! À la cinquième mesure, mon premier temps est donc toujours enfoncé sur le do power chord. Je replace mon mute. Et à partir du deuxième temps, je vais faire. Sixième mesure. Je retrouve à nouveau un sol si à la fin de la sixième mesure à vide. Donc je vous enchaîne parce que c'est pas évident les mesures 4, 5 et 6. 3, 4. 1, 2 et 3. Repérez bien, notamment sur la partoche, mais aussi à la main droite, comment ma main se relève ou quand elle rappuie ici. De toute façon, ça s'entend quand même hein, au niveau du son. Et pour que ce soit bien réussi, il faut essayer de coller le plus possible à ces mouvements-là. Je me suis assez percé les oreilles et essayé de repiquer ça le plus propre possible, vraiment. On voit les mesures 7 et 8, et je vous rejouerai les 8 premières mesures de cette partie B. Donc vous placez la main gauche sur un La power chord, okay, plutôt laisser le pouce au dos du manche d'ailleurs, parce qu'après, il faudra qu'on fasse cet accord-là. Donc, mesures 7 et 8, je mute. 3, 4. Voilà. Donc mesure 7, c'est tranquillos. Mesure 8, je suis totalement démuté. Hein. Je vous enchaîne donc les 8 premières mesures de cette partie B avec les partoches qui défilent. Tempo toujours à 90 à la noire. 3, 4. Les mesures 9 à 18, c'est quasiment tout pareil. Donc pour gagner du temps, je vous les joue direct en affichant les partitions. Repérez bien le petit endroit où ça va changer. En fait, c'est qu'on n'a plus l'histoire du 3-3 à vide avec 5-5 qui vient sur le E du 4. Je parle trop, hein, vraiment. Allez, je vous affiche tout ça. Je suis sûr que vous allez piger. 2, 3, 4. Attention, c'est là. Simple en fait. Ok, donc une fois qu'on a fait cette partie B, les 16 mesures en question, on va attaquer le couplet, partie C. C'est là que Bernie, mon voisin, se met à gueuler. Très bien. Donc dans cette partie, il y aura deux couplets de 8 mesures. Pour les 8 premières mesures, bah, vous refaites exactement pareil que les mesures 9 à 16. Ah, je vous le rejoue donc les 8 premières mesures du couplet. 3, 4. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, le deuxième couplet termine différemment. Ça commence néanmoins pareil, je vous joue donc ce deuxième couplet. 1, 4. Ah, pareil, pour que ce soit plus rapide, je rejoue tout ça avec affichage des partoches. 2, 3, 4.
Alors, ce qui est intéressant, c'est le plan qui précède l'arrivée du refrain, hein, qui donne. Alors, pour que ce soit réussi, vous mutez bien sur le 0, 3, 5, mi sol la. Ensuite, je vais taper le 3 du ré, je démute. Je l'offre. 3 du la. Et je redonne deux cases à droite. Voilà. Ah oui, puis ce qui était marrant, juste un petit peu avant, là, c'est quand ça fait le coup du la. Il y a un joli bend à faire encore de la troisième case. Et nous voilà sur le refrain. Antisocial, tu perds ton sang froid. C'est trop bien. Alors le départ, vous placez en power corde de ré 5-7-7. Les cordes de la ré sol. Donc là vous allez hurler clair et fort. Antisocial, tu perds. Et là donc j'ai enquillé le ré. Ok, donc ça démarre sur le quatrième temps de la première mesure de la partie D, le refrain. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, deuxième, troisième temps, je tape le même accord. Quatrième temps, je vais taper les trois mêmes cordes mais vides, ce qui me permet de me déplacer rapidos vers un sol majeur. Je vais d'abord taper les basses, 3 ou 4 premières cordes, et ensuite, disons les 4 dernières aigus. Alors, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Dès que ça c'est fait, on va se placer sur un Fa majeur, soit comme ça en barré, soit comme ça, peu importe, hein, on va le faire comme ça pour l'instant, on dit. Et là pareil, je chope d'abord la basse, vraiment que le gros mi, et après le reste de la corde. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et on refait. Ouais. Donc ce petit riff trop stylé de Nono, enfin Norbert Krief, faut vraiment le bosser religieusement parce que c'est trop classe. Ok, donc là on a vu les 4 premières mesures du refrain, quasiment arrivé au bout de cette vidéo. Alors maintenant je reprends sur la mesure 4 et je vous enchaîne sur la mesure 5 parce que c'est là qu'il y a un petit truc faut bien gérer. Donc je refais à nouveau mon plan que j'adore. Cette fois-ci, en arrivant ici, on va plus faire le break comme on avait au début du refrain, on va laisser les notes enfoncées. Et ça va donner ça. Je recommence. Ok, ça c'est le haut. Là je remute. Je retape ça ensuite. Juste je fais entendre 5-5 avec l'index comme ça et je referai un double hammer on comme ça. Donc, pas facile. Et ensuite, j'enlève mon mute en revenant sur le do power chord. Encore. Encore. Avec le plan précédent, la mesure 4. Ok. Ensuite, ça fait comme tout à l'heure la mesure 2. Le sol, le fa. Et à nouveau. Et ce coup-là, on fait le break. Je vous rejoue ces 8 mesures avec affichage de la partoche. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc là, c'était les 8 premières mesures de cette partie D. Vraiment, on arrive au bout. Pour les mesures 9 à 12, vous allez être content, c'est comme les 1 à 4. C'est-à-dire 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4, 2, 3 et 4. D'accord ? Donc tout à l'heure, à la mesure 5, on avait fait. Ok. Et bien, la mesure 13, il y a un dernier petit changement, une dernière petite variation rigolote, bien jolie. J'ai mis du temps à l'entendre, alors je suis content de vous la montrer. En fait, il va faire un ré mineur, mais très très temporaire. Il va faire, sur le deuxième temps, 1, 2. Ok. Alors encore. Et donc là, il y a un petit jeu entre je bloque et je bloque pas. Bloque, bloque, je bloque plus. On va sortir celui-ci. Je rebloque, je tape mon 5, et je bloque plus.
C'est les deux derniers trucs. Ok, dès que ça c'est fait. Ce coup-ci, on va pas vers un accord de sol majeur ouvert, on va vers un seul power chord, parce qu'on a la petite fin aussi stylée que le plan que j'adore, qui donne... Ouais! Donc on était rendu là, comme ça, d'accord. Et là on va faire une extension, puisque l'index va descendre en 2, puis revenir en 3. À la main droite, on va gratter que le Mi et le La, d'accord. Celui-là, il pourrait partir, ce serait pas trop un problème. Et il faut donc faire sonner ça comme ça. Je me place là, je mute bien, et je fais... Alors j'enlève le petit, comme ça c'est plus clair. One again. Et ensuite, on reviendrait sur le deuxième couplet. Et donc avec ça, on a fini le refrain, et après on reprendrait une paire de couplets. Je vous refais une dernière fois ce refrain, cette partie D, sans métronome, comme ça à l'arrache, c'est toujours pour que vous ayez une vision ensemble. 1, 2, 3. Voilà, donc quand on se plante pas sur les palmes mutiques, ça passe pas mal. Bon bah voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Laissez-moi le temps d'apprendre maintenant le solo, parce que je joue pas encore super bien comme il faudrait. Mais dès que je le maîtrise à fond, bah je vous en ferai le tuto. Et j'en profiterai également pour vous expliquer donc la fin quand il chante en... Anti-social. Est-ce que j'appelle là outro? Avant de cliquer sur autre chose, n'oubliez pas de laisser votre petit pouce bleu, votre petit abonnement ou le petit commentaire qui fait plaisir pour me dire si le tuto a été à la hauteur de vos exigences. Ou en tous les cas de vos attentes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao !